Salut, c'est Goku. Bienvenue sur Goku Zero de TV. Aujourd'hui, on va continuer notre aventure sur les chevaliers de Baphomet. La malédiction du serpent. Donc voilà, on va continuer notre aventure tranquille. Donc je tiens à remercier les nouveaux followers qui ont follow hier et le nouvel abonné. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc voilà, on va continuer notre aventure avec George. Mr. George! Yeah! Boutique. La mode parisienne de printemps, ça me rappelait pourquoi j'adorais cette ville. J'avais déjà vu ce nom, Sacha, dans les dépenses d'Henri avec sa carte de crédit. La brasserie Tony. Sûrement hors de prix. Rue. Boutique. Café. Le café parisien se ressemblait beaucoup. Oh, c'était fermé. Excusez-moi, madame, je m'appelle George Stobart. Pourrais-je vous parler? George Stobart, madame, de la compagnie d'assurance. Non, je ne fais pas du porte-à-porte, madame. C'est au sujet du vol du tableau. Ce n'est pas le moment. Je suis endormie. Madame, je... Bon. Je n'avais pas beaucoup avancé. Elle veut pas ouvrir. Yo Toto. Madame, elle veut pas ouvrir. Ok. Examiner. C'était la porte de l'appartement d'Henri. Il y avait un interphone. Ok. Ok, sorti. Téléphone. Bon, on va ressortir de là. Et on va aller à Vera Sécurité dans ce cas-là. L'adresse m'avait mené à une impasse dans une galerie minable. Je comprenais pourquoi le nom de Vera ne me disait rien. Le stand proposait une multitude d'objets rétro. Des bouchons, des porte-clés, des cartes musicales. Il parvenait à avoir l'air occupé alors qu'il n'avait pas le moindre client. Bonjour, vous pouvez peut-être m'aider. Je cherche la société Vera Sécurité. Oui, je connais. C'est la porte qui est juste derrière vous. Merci. Au fait, je m'appelle George. Moi, c'est Bassam. Ne le prenez pas mal, mais je ne suis pas d'humeur à bavarder. J'ai une migraine carabinée. Oh. Une mauvaise migraine, hein? Pire que ça, les bourdonnements et les clignotements de cette enseigne vont m'achever. Je pensais que l'enseigne en néon avait un certain potentiel, jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. C'est votre enseigne? Non, celle de l'ancien propriétaire. C'était un restaurant. Et là, c'est l'horreur. Ça nuit à la fréquentation de ma clientèle et j'ai la tête qui va exploser. Vous voulez que j'essaye de réparer l'enseigne? Vous vous y connaissez en enseigne?
Je suis très doué pour réparer les choses. Alors allez-y. L'électricité, c'est pas mon fort. Je suis meilleur en études de marché et en prévision de tendance. Assam m'avait déjà indiqué où je trouverais la société Vera Sécurité. Ok. Santé ceci. Sens-moi ça, mec. Oh, c'est pas de la camelote. Vous n'avez pas besoin d'un coupon? Non. Ok. Vera Sécurité. J'allais obtenir quelques réponses. Du moins, je l'espérais. L'endroit semblait fermé depuis un bon moment. J'examinais attentivement l'enseigne. La protection était cassée et le câble exposé à l'air libre. Voilà pourquoi l'enseigne clignotait. Je tirai sur le câble. J'avais trouvé un moyen d'empêcher les lettres de clignoter. Maintenant, seule une moitié de l'enseigne était allumée. Les bourdonnements et les clignotements ont cessé. Et je vous en suis très reconnaissant. Mais l'enseigne est toujours aussi nulle, pas vrai? Quand on veut lancer une nouvelle marque, le nom est essentiel. J'ai besoin d'un nom qui donne envie d'aventure, de trésors venus de pays lointains. Je pourrais regarder votre enseigne et trouver une solution. Vous êtes comme un génie sorti d'une lampe. Parlez-moi de votre idée commerciale. Ce stand va me permettre de payer mes études et me donner une certaine expérience du terrain. Mais cette enseigne débile ne m'aide pas vraiment. Elle devrait porter le nom de ma boutique. Il me faut quelque chose d'original, mais familier. Quelque chose de lumineux et qui accroche tout de suite, tout en restant subtil et symbolique. Ouais, tout en restant subtil et symbolique. Le stand proposait une multitude d'objets rétro. Des bouchons, des porte-clés, des cartes musicales. L'objectif est de réarranger les lettres pour former un nouveau mot.
afin de résoudre le problème de Bassam. Les lettres formant le nouveau mot doivent être allumées et se trouver dans les 7 emplacements sur la droite du panneau. Interagissez avec une lettre pour la saisir, puis déplacez-la vers un emplacement vide. Interagissez de nouveau avec la lettre pour la relâcher. Apparemment, les lettres pouvaient être déplacées. Dommage, il n'y avait pas les lettres pour écrire Bassam. Je devais trouver autre chose. Yo mon ami, yo mon Jeff. Donc, cette lettre. Mais non. Mais ça va et toi? Mais non. Comment tu vas? Un peu malade encore. Ah ça, quand t'es malade c'est chiant. Ça n'irait pas ça par hasard. Au moins, l'enseigne ne bourdonne plus. Non, c'est je pas sais, ça. Et j'apprécie. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. Comme ils disent dans tous les bouquins, une bonne marque, c'est la clé de tout. Une bonne marque, c'est la clé de tout. Un nom qui évoquait un monde nouveau. Qui évoquait un monde nouveau. Ça évoque un monde nouveau. Salut, salut aux viewers qui viennent d'arriver sur la chaîne, installez-vous. Un monde nouveau. Un monde nouveau.
Un monde nouveau. T'inquiète, je suis bien installé. Bah c'est cool, si t'es bien installé mon ami, c'est le principal. Donc j'ai essayé Islande, ça passe pas. C'est pas ça. Un monde nouveau. Qui évoque un monde nouveau. Qu'est-ce que le nouveau monde ? Non, il n'y a pas de séparation. Au moins, l'enseigne ne bourdonne plus. Ouais, bon, l'enseigne ne bourdonne plus, ok. Je sais, et j'apprécie. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi, ok. Dans tous les bouquins, une bonne marque, c'est la clé de tout. Mm-hmm. Si seulement c'était un nom... Qui évoquait un monde nouveau ? L'affaire décollerait tout de suite. Qui évoquait un monde nouveau ? Des étuis de téléphone, des cassettes et tout le bazar. Les climatiseurs se fondaient très bien dans les motifs art déco. Un monde nouveau. Ah merde putain, c'est complexe leur machin là. Salade d'Inde. Niveau des indices, à part le monde nouveau.
Non, 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 en fin de compte, le mot, il doit être placé là. Le mot, il doit faire 7 lettres. Le mot, il doit faire 7 lettres et je dois les placer ici. Pour que ce soit allumé. Un mot en rapport avec le monde nouveau. Le monde nouveau. C'est maigre comme indice, le monde nouveau. Parce que lui, il vend des téléphones, des pochettes. Un truc à de la pâte qui le donne la patate. Des jeux, des objets rétro. Des porte-clés, des cartes musicales. Au moins, l'enseigne ne bourdonne plus. Oui, bon, ça aussi. Je sais, okay. J'apprécie. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. Comme ils disent dans tous les bouquins, une bonne marque, c'est la clé de tout. Si seulement c'était un nom qui évoquait un monde nouveau, mon affaire décollerait tout de suite. Un rapport avec les livres et le monde nouveau. Alors, putain, alors moi que je suis pas un... avec les livres et le monde nouveau. Non, je vois pas là. Franchement, je vois pas du tout. Ma mère a sursauté. Pièce dirigée par Jean Durage avec Sarah Saville. Perdu une chatte. Ta-ta-ta-ta. Donc salut salut aux viewers qui viennent d'arriver sur la chaîne. Le monde nouveau. Oui, bah bien sûr. Je sèche royal. Le monde nouveau. Un truc en rapport avec les livres et le monde nouveau. Salut, salut, mon copain pilote. Tiens, mon copain pilote, toi qui as plus de culture que moi. Un truc en rapport avec des bouquins et le monde nouveau. Voilà. Faut que je fasse un mot de 7 lettres avec ça. Je sais que toi, t'es beaucoup plus cultivé que moi là-dessus. Donc si t'as un nom de 7 lettres à proposer, avec les lettres qu'il y a là... Franchement, depuis... Je sèche, là. Ouais, ouais, comme tu dis. Oula. J'ai essayé les Indes, mais...
Attaché, ça va pas. C'est complètement n'importe quoi. Franchement, commence à me gonfler cette histoire. Un monde nouveau. Qu'est-ce qu'on appelait le nouveau monde? Le nouveau monde. Amérique, ouais, mais c'est pas ça. Ouais, c'est vrai, hein. C'est les Américains qu'on appelait le Nouveau Monde, hein. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. En rapport avec les livres et le Nouveau Monde, qui dit le monsieur. Comme disent dans les bouquins, un truc qui fait les Nouveaux Mondes. Ouais. Ils vendent un peu de la merde. Voilà, des téléphones, des cassettes et tout le bazar, ok. Ouais, Christophe Colomb découvre le nouveau monde, ouais. Ok. Au moins, l'enseigne bourdonne plus. L'enseigne bourdonne plus, qui dit l'autre? Comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi. Une bonne marque, c'est la clé. Voilà, il dit que le bouquin, c'est voilà. Un nom qui évoquait un monde nouveau. Un nom qui évoquait un monde nouveau. Voilà, c'est ça. Un nom qui évoque un monde nouveau. Mort de rire. Un nom qui évoque un monde nouveau. Ah putain, ça m'énerve. J'aime pas ça. Peut-être mettre le D en prompts. À savoir. Ok, t'as été voir la réponse et ça n'a rien. Ok, d'accord. Ok, génial. Super. Là, tu fais un truc de monde nouveau, ça n'a rien à voir. Ok. Ok, ok. Ma mère a sursauté, donc ça vient peut-être de quelque chose de là. Ma daronne a sursauté. Sarah Saville. Mm-hmm.
Salut le survivant. Salut, salut. Un nom qui a la... qui donne de la pêche ou je sais pas quoi. Yo mon fou des bois. Bah ouais, en mode concentré parce que... Comment en mode concentré parce que comment voilà quoi, je cherche un mot, la réponse est cachée dans la lampe. Dans la lampe. Dans la lampe, quelle lampe? non. Non, c'est pas ça. Dans la lampe. La réponse est cachée dedans. Oh, putain, mais c'est... Oh la my god. La réponse est cachée dans la lampe. Oh putain. Des étuis de téléphone, des cassettes et tout le bazar. Demande à Kev Adams. Aïe. Non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Ah, il y a 2D peut-être. Ah, je pensais avoir enfin trouvé. Mais quel rapport avec le nouveau monde? Va falloir qu'il m'explique. Oh putain. Merci mon pilote. Putain. C'est trop bien. Quel rapport avec le nouveau monde quoi? Putain, franchement. Ravi que ça vous plaise. George, vous êtes un génie. Si je peux faire quoi que ce soit... Oh putain, franchement. Truc de fou, quoi. Ah, monsieur Stobart. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'hallucine, quoi. J'aime beaucoup votre nouvelle enseigne. Elle est superbe. Je vous dois une fière chandelle. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis comblé, George. Grâce à vous, je peux désormais vendre ma panoplie rétro de cartes musicales, de brosses et de souvenirs. Et vous savez ce qu'on dit? Les bons vendeurs font les clients heureux. Alors, qu'est-ce que vous vendez? Ah, je suis content que vous me posiez la question. Tout ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs à Paris. C'est-à-dire? Des biscuits anglais, des loukoums, des cassettes françaises, des vidéos Betamax brésiliennes. Des vidéos Betamax brésiliennes, mort de rire. LOL. LOL LOL LOL. Juste LOL LOL LOL. Bah allez. Hop. Ah, au secours. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un monstre. Quoi? Où ça? Par terre. Débarrassez-moi de ça. Oh, le cafard. Oh, oui, le gentil cafard. Au secours. Il y avait un énorme cafard. Oh, cafard, on peut pas. Vas-y, dégage. Il y a quoi sur la table?
Romanov. Une marque. Ah. Bah moi j'ai préco ma 3DS Dragon Ball, mon pilote. Quand j'étais petit, on me disait toujours de ne pas jouer avec les allumettes. Mais je n'ai jamais pu résister. Et Romanov, le paquet était vide. Le cendrier était plein de mégots de cigarettes. Les filtres étaient dorés. Très original. J'ai récupéré les allumettes. Je m'approchais pour l'examiner de plus près. Eh oui, nice. Grave. Franchement. Par ici, le cafard. Par ici. Je ne pouvais pas l'attraper comme ça. Peut-être faut l'attirer. Faut l'attirer. Ok, faut l'attirer. L'attirer avec quoi? Oh bah tiens, il y a des miettes là. Sur le sol. Voilà pourquoi le cafard restait dans le. On va en mettre dans la. Est-ce qu'on peut en mettre dans la boîte d'allumettes? Non. Je posais la boîte d'allumettes. Les cafards aiment se cacher dans les endroits sombres. C'est une bonne idée quand on y pense. Le cafard ne mordait pas à la leçon. Il me fallait un appât. Est-ce que je vais acheter Fallout 4? Ouais, mais quand ils feront une édition GOTY? C'est toujours utile d'avoir des allumettes. Il connaît pas son pied, grave. Attends, on va faire comme il dit de pilote. Non, on peut pas le cramer. C'est quoi? Il y a le truc puant là, on peut pas l'utiliser dessus. Je ne peux pas violer les accords internationaux sur l'utilisation d'un. Je ne peux pas utiliser. Mort de rien. Vas-y, ramasse-le avec tes wads au pire. Je ne serai jamais à l'attraper à main nue. La boîte seule ne suffisait pas. Ah, j'avais besoin d'un appât. Bah ouais, bah t'as les miettes là au pire, garçon. Salut, FunkyX. Y'a quoi sur la radio? La radio planète était allumée. Elle retransmettait une course hippique. Laissez cette radio tranquille. Laissez cette radio tranquille. Ouais, il vend des loukoums, qu'il a dit le garçon. Pas faux. Vas-y, file-moi des loukoums, toi. Des loukoums ou tout, n'importe quoi pour bouffer. Voilà. Vous connaissez un. Bon moyen pour attraper un cafard. Je ne vais pas vous mentir, Georges. Mon truc. C'est plutôt l'équilibre budgétaire dans un système d'économie libérale. Toutefois, en tant que profane, je vous conseille de lui tendre un piège. Mais par pitié, quoi que vous fassiez, ne l'écrasez pas. Ah bon, pourquoi? Toute sa famille sentirait son odeur et rappliquerait pour l'enterrement. Oh non, surtout pas ça. Il faut que vous trouviez une sorte de boîte et que vous y mettiez ça. Eh ben c'est cool. Richie, voilà. C'est quoi ça? Un cookie? Un cookie parfait pour un cafard. Bien sec, bien fade, qui laisse sur sa faim et pourtant, on y revient. Je vais essayer. Ravi d'avoir pu aider. Merci pour le cookie. Ouais, bah remercier quand même. Mais je vous en prie. Savez-vous quelque chose à propos de Vera Sécurité en face? Pas vraiment. Je ne suis pas ici depuis longtemps, mais eux non plus, d'après ce que je vois. Pourquoi dites-vous ça? Installation rapide,
Nouvelle enseigne, aucun investissement et aucun client à part vous. Qu'est-ce que vous vendez d'autre? Passez me voir de temps en temps. Vous serez surpris. Ça marche. Ouais, ce soir, je streamerai, ouais. Ouais. Là, je vais streamer jusque midi. Après, ben, cet après-midi, je fais les choses que j'ai à faire. Et puis, ce soir, dans les alentours de 20h, je balancerai du live, t'inquiète. C'est prévu. J'avais placé un appât dans la boîte d'allumettes. Même moi, j'avais du mal à résister à mon piège. Je te tiens. Vous êtes un gentleman, croyez-moi. Je déteste les cafards. Je suis toujours ravi d'aider une demoiselle en détresse. J'en doute pas. Je peux vous aider? Oui, s'il vous plaît. Savez-vous s'il y a quelqu'un à qui je pourrais parler ici? Oui, à moi, chérie. Je suis Annette, la responsable. Oh, pardon, je suis désolé, c'est à cause des gants. Je croyais que... Je sais, c'est trompeur. Sauf si vous avez suivi une thérapie de reconstruction. Oh, mais je me suis reconstruit plein de fois. À partir de rien. Ouais, Funkyakes, je commence le jeu. J'ai fait les premiers Chevaliers de Baphomet hein, sur PS1 et puis sur PS2. Donc je débute, hein, je suis qu'au début de l'aventure, mais pour 30€ en version boîte, il vaut largement le coup. Moi je kiffe. Écoute, si t'as aimé les précédents, si t'as aimé ceux d'avant, lance-toi. Hein, écoute, lance-toi. Moi j'ai pas hésité. Bon, voilà seulement que je l'attaque et que j'y joue, que je le stream parce que j'ai eu des choses personnelles à faire avant. Mais je l'ai depuis Day One, hein. Je l'avais préco Day One et je regrette pas, j'aime bien, j'adore moi, j'adore ce genre de jeu. Puis bon, 30€, ça va, c'est pas non plus... Ne touchez pas au matériel de bureau. Ok, elle veut pas que j'y touche. La vision périphérique d'Annette était étonnante. Oh, Annette. Objectif bonus. Ouais, pas rien à faire d'autre. Même plante morte. Avait l'air déprimée. Même la plante avait l'air déprimée, ok. Le téléphone de Vera Sécurité. Il n'avait pas regardé à la dépense. Ok. L'endroit ne semblait être qu'une installation temporaire. Oui. Il y a eu un vol au Lézard Bleu. Un tableau a été dérobé. C'est pas de chance, mais je suis sûr que vous vous en remettrez. Je crois que c'est votre société qui a installé le système de sécurité. Ah non, je crois pas. Mais si, mais si. Mais non. Mais si. J'ai tout mon temps. Mais pas moi. Ouais, franchement, ils étaient excellents, c'est clair. Mais grave, j'aurais bien voulu qu'ils fassent une compile parce que bon, moi j'ai pas fait celui qu'il y avait sur PC, hein, mais voilà, les autres je les ai fait et une petite compile sur PS4 ça aurait été sympa. Franchement, faudrait qu'ils y pensent. Très bon souvenir aussi, les aventures de Monsieur George. Il est stipulé ici que la société Vera Sécurité a été chargée de la sécurité de l'exposition. Vous avez mal fait votre boulot, on dirait. Où avez-vous trouvé ça? À la galerie. Le travail a été approuvé. Vous ne pouvez pas nous rendre responsables. J'avais un mauvais pressentiment. Cette société avait tout l'air d'une couverture, et la seule personne présente ne m'aidait pas beaucoup. Le bureau en lui-même me livrerait peut-être des informations. Vous avez fini? Je voudrais écouter la prochaine course. Merci. Ok. Ah oui, bien sûr, Monkey Island, je connais. Bien sûr. C'était un petit livre noir. Ils sont toujours intéressants. Ah ouais, c'est clair. Bah, je l'ai, j'ai la compile sur PS3. Hein. J'ai. Ce livre est très personnel. Ok.
La radio d'Annette était allumée. Elle retransmettait une course hippique. Tu peux pas faire quelque chose avec la radio? Vous permettez? J'écoute le résultat des courses. Annette ne me quittait pas les yeux. Donc elle ne quitte pas les gens des yeux. Ok. Un téléphone. Peut-être dehors, on peut peut-être faire quelque chose. Boîte électrique, verra sécurité. Le climatiseur se fondait très bien dans les motifs art déco. Ouais, bah la compile de Monkey Island, ouais, elle est bien. Oui, il y a des trophées, oui. Bon, moi là c'est un nouveau compte, donc je les ai pas, j'ai pas la liste, hein, parce que j'ai pas rattaqué le jeu sur ce compte-là. Mais oui, bien sûr, il y a des trophées, il y a tout ce qu'il faut. En plus, moi à l'époque, je l'avais eu à pas cher, je l'avais touché 20 euros, je crois. J'avais touché 20 euros en neuf. Donc, on peut pas. Un petit morceau de câble. Ok. Un biscuit. Bah ça, mais ce qui peut peut-être m'aider avec la vieille folasse. Ah, monsieur Stobart. Monsieur Stobart. Tu le veux le café, mec? Un produit adapté à chaque client. C'est la formule gagnante. Ok. Sur la table, il n'y avait rien d'autre. Hein. Paquet de clopes. Si je mettais le feu au sandar. Pas marché. Non. Enfin, au clope. Je ne voulais pas laisser ça ici. Non, marche pas non plus. Les tiroirs du bureau. Il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Il semblait y avoir un autre bureau au fond. On peut pas y aller dans l'autre bureau. Elle va m'empêcher d'y aller, la vieille, je parie. Veuillez rester de l'autre côté du comptoir. Ok, l'autre côté du comptoir. Elle avait des pouvoirs psychiques. Elle devinait toujours ce que j'allais faire. Elle a des pouvoirs psychiques, la vieille. Mais bonne journée à toi, hein. Merci d'être passé. N'hésite pas à repasser, hein, si t'as l'occasion. Annette, je peux jeter un coup d'œil à votre arrière-salle? Non, mais vous me prenez pour qui? Hein? Non, je veux dire, je peux regarder là, derrière. Moi, ouais, je peux regarder. Je préfère ça. Non, vous pouvez pas, c'est privé. Vous avez parié sur un cheval? Non, j'adore le bruit des sabots. Oh, c'est original. Soyez pas si stupide. J'ai parié 50 euros sur Lucky Break. Ah, j'espère que vous gagnerez. Moi aussi, chérie. Moi aussi. Ok. Elle a parié 50 baloches sur machin. Ok. J'ai attrapé si j'ai mis papa. La boîte. Regardez. Il est mignon. Tiens. Mais balance-y dans la tronche. Elle va fuir comme ça. Vous reconnaissez? Oh, ça décoiffe, dites donc. J'avais un patron. Le pervers. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, elle avait un patron qui mettait ça. Vous reconnaissez ce coupon? Oui. Enfin, non. Oh la saloperie. Je devrais. Si elle sait quelque chose sur le coupon. Bon, ça, j'y ai déjà montré. Oui, vous m'avez déjà montré ça. Voilà, ça, j'y ai déjà montré. Non, merci. Non, le câble, elle n'en veut pas. Et cookie. Biscuit. Tu veux un cookie?
Ces gâteaux secs sont infects. J'ai des allumettes. Gardez-les. Je n'ai plus les moyens de fumer. Merci. Ok. Ok. Le téléphone de Vera Sécurité. Je n'avais pas regardé à la dépense. Vous permettez? J'écoute le résultat des courses. Annette, ne me quittez pas les yeux. Ouais, ok. Faudrait que j'arrive à... Parler peut-être qu'il sait quelque chose, lui. Ah, le boîtier électrique, Thomas, faudrait que j'arrive à le faire sauter. Qu'est-ce que je lui. Peux faire pour vous? Non, il dit rien de nouveau. Peut-être avec le câble. Ça ne risque pas de fonctionner. Punaise, ça ne risque pas de fonctionner. Et le coupon, si je le balance dessus. Il me fallait une meilleure idée. Grave, Annette, elle est casse-couille. À moi. C'était presque une bonne idée. Ah, c'était presque une bonne idée, presque. Oh, Mr. George, il a dit. L'endroit semblait fermé depuis un bon moment. Là, le boîtier électrique, faut faire quelque chose avec ce boîtier électrique de moi. Merci, mon pilote. Je te répondrai tout à l'heure. J'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Ah, le boîtier électrique, faut faire quelque chose. Hein. J'ai peut-être pas l'objet pour... Monsieur Stobart. Non, il me dit rien de neuf. Sur le câble électrique. Ouais, si t'as décidé. À quel point l'enseigne était fragile, ouais, on s'en fout. Ouais, ok, bon, c'est tout. On va aller voir Nico. J'ai décidé de rester jusqu'à ce que Annette m'ait dit. Ah non, tout tu vois, on en. Non. Ce qu'elle savait. Ok, bah il veut plus partir. si je balance la boîte d'allumettes sur le boîtier. Il me fallait une meilleure idée. Non, marche pas. Sherlock Holmes, Préco, Nippon. Ah, j'irai voir ça. J'irai voir ça tout à l'heure, mon pilote. J'irai voir ça. Bon, après, Sherlock Holmes, c'est pas trop mon truc. Enfin, à part les films, quoi. J'aime bien le dessin animé, mais j'en suis pas archi fan. Annette, elle me pète les rouleaux. C'est ouf, hein. Plante morte. On peut pas y foutre le feu à la plante morte. Ça n'aurait pas marché. Non, ça n'aurait pas marché. Le bureau semblait avoir été installé en toute hâte. Les tiroirs du bureau. Il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Ouais, mais non. Le bureau semblait avoir été installé en... Ouais, c'est même pas sur... C'est même pas de la plante, là, qui parle. Ouais, mais pourquoi il... Objectif bonus. Ce serait inutile. Non, elle me dit rien de neuf. Elle me dit rien de nouveau. Merci. Annette. J'entendais la petite créature faire les 100 pas là-dedans.
je devais essayer autre chose. Non, je devrais essayer autre chose. Non, je peux pas y balancer en pleine gueule. C'est con, hein? Ça ne risquait pas de marcher. Non. Des Romanov. Le paquet était vide. Ça ne risque pas de fonctionner. Non, ça risque pas de fonctionner. Non, il lançait des machins, ça. Le cendrier était plein de mégots de cigarettes. Mhm. Cendrier plein de mégots de clopes, ok. C'est toujours utile d'avoir des allumettes. Ouais, bah c'est toujours utile d'avoir des allumettes. Je n'avais que quelques allumettes. Il valait mieux ne pas en gâcher. Ouais, on peut combiner des trucs. Si je combine ça... Non, on peut pas. Ça, je peux pas le combiner. Eh bien, l'idée m'avait paru bonne au début. Tu peux pas le crever le cafard. À coup de... À coup de machin. Non, le coupon Gims. Non. Ça, on peut pas le combiner non plus. Ça non plus. J'ai donné une miette à Marcel. Il raffolait de ce cookie. J'ai donné une miette à Marcel. Punaise, 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 punaise. L'endroit ne semblait être qu'une installation temporaire. MacGyver, MacGyvray. Et le bureau, y'a rien. Y'a rien d'autre. Y'a la radio. Ça ne valait pas le coup d'essayer. Ouais, ça vaut pas le coup d'essayer. Le coupe-ongle de Lane. Ouais, ça on sait. Des étuis de téléphone, des cassettes et tout le bazar. Mmh. Ah, c'est faut faire quelque chose sûrement avec le boîtier électrique. Mais quoi? Mais je peux pas, bah ouais, je voulais la tchouar, ouais, grave. Mais oui, il tchourave la radio. Ça ne risquait pas de fonctionner. Non, ça risque pas de fonctionner. Ouais, mais c'est clair. Tu tchouraves la radio, tu te nachaves avec, direct. J'allais obtenir quelques réponses, du moins, je l'espérais. Ah, la boutique vide. Ah, c'est pas évident hein, quand même. Hein. Putain, c'est compliqué. Hein. Pilote, à part le fait qu'il faut que. qu'elle dégage. C'est tout. À part ça. Ah, peut-être. Attends. Si je l'appelle de dehors. C'est jamais. Est-ce que je peux l'appeler de dehors? D'ici.
peux l'appeler. Yo, meuf. C'est George Stobart. Monsieur, je vous vois à travers la fenêtre. mort de rire. Débarre. On va appeler Nico. Nico, tu peux m'aider? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hé, hey, Nico, je suis arrivé à Verre Sécurité. Cet endroit est plutôt miteux. Super. Tu as trouvé autre chose? Pas encore. Un café. Bon, rappelle-moi quand tu auras quelque chose. Je vois à travers la fenêtre. Elviok, on va l'appeler lui. Monsieur Rickenbacker, j'ai décidé de faire une petite visite à Vera Security, la société à laquelle Henri a fait appel. Très bien, à vous de creuser et de trouver des informations. Ah ouais, moi de creuser et trouver des infos. Bah ouais, bah écoute, t'es un comique toi. Parce que là au-dessus, y'a rien. Là y'a rien. Bon bah ça c'est bon, l'enseigne c'est fait. La sortie on peut pas. Boîtier électrique. Y'a pas quelque chose. L'endroit semblait fermé depuis un bon moment. L'endroit est fermé depuis un bon moment. On verra sécurité, ok. Le climatiseur se fondait très bien dans les motifs art déco. Ouais, bah, le climatiseur, j'aimerais bien y péter sa gueule. Il parvenait à avoir l'air occupé alors qu'il n'avait pas le moindre client. Oh, putain, ça me fait chier. Là, il y avait un poster. Ok. C'était presque une bonne idée. Oh, presque une bonne idée, presque. Yeah. J'étais sûr que je trouverais quelque chose dans le livre. Bah ouais, tu trouves quelque chose dans... Il faut faire quelque chose avec la radio. Faut y faire quelque chose à la radio, mais quoi? Qu'est-ce qu'il faut y faire à cette putain de radio de merde? Il y avait un cendrier sur la petite table, plutôt inhabituel de nos jours. Non, je crois que j'ai déjà fait ça, je crois que j'ai déjà testé avec l'objectif bonus. Ça n'aurait pas marché. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, tout ça, j'ai Merci. Déjà... C'est déjà fait. Elle a rien d'autre à me dire. Laissez ça tranquille. Vous permettez? J'écoute le résultat des courses. Ouais, je vais essayer. M'éloigner de la boutique et téléphoner, mais ça se trouve, avant de sortir un truc. Ouais, je vous vois à travers la fenêtre. Ça me dit si je vois à travers la fenêtre, franchement. C'est George Stobart. Monsieur, je vous vois. Non mais franchement. Elle me voit quand même.
Vieille morue. Vieille morue. Non, là, je sèche. Encore un coup. Putain, c'est pas possible. Téléphoner dedans. Non, on va pas non plus... Non, je vois pas. Ah, pas faux. Téléphoner près de la radio. La radio d'Annette était allumée. Elle retransmettait une course hippique. Bonjour, Vera Sécurité. Nous assurons la vôtre. Oh merde! Veuillez rester de l'autre côté du comptoir. Ah ta gueule. Vite le livre, dépêche-toi. J'ai voulu savoir quel secret contenait le livre. Il y avait une photo que j'ai m'empressé de prendre. Il y avait une photo. Un très mauvais cliché de Lane et Annette. Bien, mon fou des bois. Bien. Yeah. Ouais, mais ça a pas mis des ondes, mais... Yeah. Oui. Allez, je te montre la toffe. Vous reconnaissez ceci? Tu reconnais la pétasse? Hé, hey, c'est ma photo. C'est ma photo. C'est vous en compagnie de Lane, je crois. Et alors? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? C'est mon Hector. Voilà ce qu'il représente. Mon petit Hector. Bon, mais je croyais que vous n'aviez rien à voir avec la galerie. Écoutez, voilà. Je suis ici que depuis quelques semaines. J'ai rien à voir avec l'histoire de la galerie. J'ai juste déposé les papiers. Qui s'occupait de la gestion avant vous? Je sais pas. Un jour, elle n'est pas venue au travail. Je devrais pas vous parler. Le patron m'a dit de rien dire. Où est le patron? Vous avez son numéro ou son adresse? Non, je l'ai oublié. Enfin, je l'ai jamais su. Annette, un crime vient d'être commis. Vous allez avoir des ennuis. Je n'ai rien à voir avec ça. Écoutez, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin du fric. En plus, c'est qu'un vieux tableau débile. Et puis, il n'y a pas eu de bobo. Jeff aussi a eu raison. Ah, j'ai pas fait... Jeff, j'ai pas fait attention. Pourquoi il m'avait dit quoi, Jeff? C'est grave. Lis, téléphone dedans. Il est mort. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Jeff avait raison aussi. Bravo. Qui est votre patron? J'avais pas fait gaffe. C'est vrai. Il m'envoie un fax quand il a besoin de quelque chose. Ce il, c'est qui? Je l'ai jamais vu. Je le connais pas. Vous n'allez pas faire d'ennui à cette pauvre Annette, hein? Merci. J'étais presque certain qu'Annette m'avait dit tout ce qu'elle savait. Je sentais de la peur dans sa voix. Il était temps de faire parler Lane, et je savais comment faire. Ouais, on va faire parler Lane. On peut pas aller dans le bureau ou... Ah, attends, on va essayer un truc. Je décidais de ne plus embêter Annette. Faut l'embêter encore. Faut ouvrir le tiroir, faut tout ça. On peut pas l'ouvrir. Si? Non? Écoutez, ne touchez pas au matériel de bureau. Non, elle veut pas. Bon, bah c'est tout. La vision périphérique d'Annette était étonnante. Il était temps d'affronter Lane. Il était temps d'affronter Lane, yeah. Je crois qu'il est à la galerie, Lane. Il doit être quelque part dans les parages. Café, peut-être. La galerie était bouclée. Elle avait l'air vide.
Lane n'était pas difficile à repérer. Il ne semblait pas être là. Ce vitrail était magnifique. Il me paraissait vaguement familier. Non, il n'est pas au café. Il n'est pas au café, le monsieur. Attends, lui, il sait peut-être où il est. Je suis con. Il y a le serveur, tu sais, ou tu sais pas. Oh, wesh, wesh, Afgang. Comment ça va, mon ami? Comment ça va, mon poteau Afgang? Je cherche Lane. Est-ce qu'il est venu? Ah oui, il est passé tout à l'heure. Il m'a dit qu'il partait consoler la veuve d'Henri. J'espère qu'elle sera sortie. Ah, moi ça va. Ça va, ça va. Écoute, nickel, hein. Nickel, nickel. Salut. Monsieur. Vous êtes sûr que Lane est parti consoler la veuve d'Henri? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, il est parti consoler la veuve. Ok. Ah bah merci, ça fait plaisir. La porte était verrouillée et scellée par un ruban de police. Je devais trouver Lane. Et j'étais sûr qu'il n'était pas ici. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir de tous vous revoir. Ça fait plaisir. Ainsi, voilà. Lane était en train de consoler la veuve. Ce type avait un cœur en or. Est-ce qu'il manigançait quelque chose ou avait-il simplement des mœurs légères? C'est George Stobart. Je peux monter? Je regrette. Ce n'est vraiment pas le moment. Revenez plus tard. Je sais que c'est vous, Monsieur Lane. Il faut que je vous parle. Ça te fait pas plaisir, mort de rien. Est-ce que le nom d'Annette vous dit quelque chose? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Je dois parler à Madame Dubois. Oh, je suis sûr que ça peut être utile. Si vous ne me laissez pas entrer, je parlerai à la police de vos liens avec la société de sécurité. Oh, d'accord. Montez, mais soyez bref. Voilà. L'appartement d'Henri. Bon sang, Georges, ce n'est vraiment pas le moment. Pas le moment de vous accuser de m'avoir menti? Qu'est-ce que vous voulez? Je reviens de Vera Security. Et alors? Que savez-vous à propos du patron de Vera Security? Je n'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Parlez-moi de Annette. Qui ça? De Vera Security. Je ne connais pas de Annette. Non, mais il connaît pas de Annette. Attends, bouge pas, mon coco. Et ça, c'est quoi? Que vous laissiez des souvenirs à vos conquêtes. Où avez-vous trouvé ça? Annette me l'a prêté. Arrêtez de la montrer comme ça, enfin! Pouvez-vous me dire quelque chose à propos du patron de Vera Security? Annette m'a dit que c'était un russe du genre pas commode. Allons, Lane. Parlez-moi d'Annette. Bon, ça va, ça va. J'ai eu une liaison avec elle, d'accord? Et parlez-moi fort, s'il vous plaît. Et vous avez trafiqué le système de sécurité tous les deux? Non, pas du tout. En tout cas, cette petite aventure était une erreur. Elle avait trop de besoins financiers. Je vous crois. Vous n'êtes pas un criminel, mais un vieux pervers lubrique. Vieux, pas encore. Et il se trouve que je rends beaucoup de femmes heureuses. Surtout quand vous les quittez. Allez, Lane, filez! Ne me dites pas ce que je dois faire. Vous voulez que je montre cette photo à Bijou?
Bon, bon, d'accord, je m'en vais. Mais vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi, Stobart. J'espère bien. Et donnez-moi cette photo. Si Lane disait la vérité, cela voulait dire qu'Annette m'avait menti. Elle prétendait ne jamais avoir vu son patron et elle était pressée de se débarrasser de moi. Je me demandais si elle cachait quelque chose d'intéressant dans le bureau du fond. Allez-vous vous présenter convenablement? Ravi de faire votre connaissance, madame. Je m'appelle George Stobart. Appelez-moi Bijou. Bijou. Salut, Bijou. Le même disque tourne encore et encore sur le gramophone. C'est charmant chez vous, Bijou. Oh, merci. J'aime les belles choses. Ouais, elle aime les belles choses. Elle est un peu imbue de sa personne, apparemment, la madame. Les tableaux de elle nue, là. Elle a ses jambes contre elle et semblait vulnérable. Bijou avait une vue imprenable sur le bois de Boulogne. L'Amérique est mon pays et Paris, ma ville. Le bois de Boulogne. Bon, bah, on a compris. Hein. Bijou en vrai, c'est une prostitute. boîte à musique. Ne touchez pas à mes affaires. Oh, ne touchez pas à mes affaires. On peut regarder la coiffeuse. Y a moyen ou quoi? Ne touchez pas à mes affaires. Non, elle veut pas. Cher. Bon. C'est bon. Panique pas, chot. C'est le cercueil. Chien empaillé. Un petit chien empaillé trônait sur la table. Pauvre bête. Était-ce une larme que je voyais au coin de son œil de verre? Coin de son œil de verre? Henri était maintenant vêtu d'un costume bon marché. Tout compte fait, je préférais le gilet. Donc on va aller parler à Bijou. Hop. Bonjour, jeune homme. Quel plaisir d'avoir votre visite. Pouvez-je vous retrouver? Je suis de la compagnie d'assurance. Toutes mes condoléances pour votre mari. Henri, mon pauvre sauvage. Il est mort dans le fleur de l'âge. Puis-je vous poser quelques questions? Pourquoi pas? Un peu de compagnie pourrait me booster. Comme vous dites, vous autres Américains. Henri a été très courageux à la galerie. Il a essayé d'arrêter le voleur et en a payé le prix fort. Henri était mon tigre. Henri a l'air en paix. N'est-ce pas? J'aimerais le garder ici pour toujours. Oh, oh, pour madame. Je suis sûr qu'on retrouvera son assassin. Ce monde est bien cruel pour me prendre, mon Henri. Pouvez-vous me parler de la galerie? Les affaires marchaient bien? C'était le bébé d'Henri. Il ne m'en parlait jamais. Vous n'aviez donc aucun rôle dans la galerie? Pas le moindre. Les affaires, ce n'est pas ma tasse de thé. Elle est la mode charme, et là, elle pleure. Ouais, mais non, mais c'est du violon, c'est du pipeau, je la sens pas. Elle tourne disque, on joue toujours le même morceau. Oui, cette chanson me réconforte. Elle me rappelle Henri. Est-ce un portrait de vous? Oui, très cher. Mais il a complètement raté mes hanches. Qui a peint ce tableau? Oh, une connaissance d'Henri. Je ne me souviens plus de son nom. C'est quoi ce chien empaillé? Oh, Fifi. J'ai eu le cœur brisé quand il nous a quittés. Je l'ai fait empailler pour qu'il reste toujours avec moi. C'est très touchant. N'est-ce pas?
De nos jours, c'est assez rare de garder le cercueil chez soi. Henri aimait les vidéos mortuaires. Il disait que ça valait n'importe quelle fête. Quoi? Bijou, je crois que quelqu'un de la galerie a aidé le voleur. Ce n'était pas Hector Lane. Il n'est pas assez fourbe. Qui donc, Ramon? Je l'ignore. Mais je vous promets de tirer cette affaire au clair. Vous trouvez que ce parfum sent bon? Il est divin, n'est-ce pas? Henri l'a dit. Non, merci. Connaissez-vous la société Vera Sécurité? Non, je n'en ai jamais entendu parler. C'est charmant, très cher. Oui, c'est charmant, il va tout faire. Un rich tea? Pourquoi est-il entamé? Je m'en suis servi pour nourrir un cafard. Il fallait taire, George. Je pense que je vais m'abstenir. Non, merci. Hé, hey, j'ai quelque chose pour vous remonter le moral. Dites bonjour à Marcel. Un cafard. Dites bonjour à Marcel. Je préfère l'appeler mon copain. Et moi, j'appelle ça de la vermine. Je vous prie de ne plus jamais me le montrer. Merci pour votre aide, Kiji. Ce fut un coup, jeune homme. Je ne pouvais toujours pas disculper l'air. Annette, en revanche, m'avait menti au sujet du patron de Vera Sécurité. Allez voir Annette. La nuit tombait. Annette avait dû partir. L'heure était venue d'aller à Vera Sécurité. La galerie déserte baignait dans la lueur du clair de lune. C'était l'ambiance parfaite pour jouer les détectives. Je voulais examiner le bureau du fond. Il ne me restait plus qu'à trouver comment y entrer. La caisse à roulettes était idéalement placée pour me hisser jusqu'à la poutre. Jusqu'à la poutre. Jusqu'à quelle poutre? Ah oui. Il y avait un boîtier électrique là-haut, mais je ne pouvais pas. Prends le machin là. On peut le pousser que jusque là. Non, il va. Non, arrête-toi. J'avais eu une idée de génie en transformant cette enseigne. Ouais. Et il fallait bien le reconnaître. Ok. Le bric-à-brac de Bassam était sous clé. Ok. La caisse à roulettes était idéalement placée pour me hisser jusqu'à la poutre. Bah oui, mais jusqu'à quelle poutre? Ah, là, voilà la poutre. Ok. J'avais ouvert le climatiseur. À l'intérieur, il y avait un climatiseur et bingo, la commande principale du volet métallique.
C'était la commande principale du rideau métallique. Le câble reliait le moteur du rideau métallique à la commande principale. C'était le moteur du rideau métallique. Le câble reliait l'alimentation électrique à la commande principale. Le ventilateur du climatiseur était exposé. Heureusement qu'il ne tournait pas. Ça ne risquait pas de marcher. Ça ne risquait pas de fonctionner. Il me fallait une meilleure idée. Une meilleure idée. C'était le câble de la commande du rideau métallique. Ok. C'était le câble du machin métallique, ok. Non, je devais essayer autre chose. Ça ne marcherait pas. Ok. Donc. Le câble relie l'alimentation électrique au climatiseur. Le moteur du rideau métallique, la commande principale. C'était la commande principale du rideau métallique. Ben. C'était la commande principale du rideau métallique. Bah vas-y ouvre. Ma couille. Bah figure-toi que j'y ai pensé, mais ça me paraît gros quand même. On va essayer, mais... Je sais pas. Ça n'aurait pas. Non, tu vois, celui-là déjà non. Ça me paraît, ça me paraît gros quand même. Ah ouais, eh. Bien. Putain, tu coupes les machins qu'un coupon quoi. Je coupe tout, rien à foutre. Ce serait inutile. Non, celui-là on peut pas. Et là, tac. Non, pas là. J'avais redirigé le courant vers le moteur du rideau métallique. Ça ne risquait pas de fonctionner. Voilà. Eh ben, tu vois. Putain, eh, MacGyver, quoi. Le mec, il coupe des machins avec du... Franchement. Avec un coupon, lol. Le tiroir ne contenait qu'un coton-tige. C'était mon genre de chose. Il n'avait pas servi. Prends-le le coton-tige, mec. Voilà. Il faisait noir comme dans un four. Je n'y voyais rien. Un scooter de livreur de pizza était garé dans le coin de la pièce, comme celui sur lequel le meurtrier s'était enfui. Il y avait un petit loquet sur le côté de la bouche d'aération. Eh ben,
Ouvre-le. Il y avait un petit loquet sur le côté de la porte. Ouvre-le, le petit loquet. Un tas de bazar et de cartons vides. Le carton était vide. Annette l'avait entièrement vidé. Malgré mes efforts pour libérer les engrenages, il restait coincé. Cette machine manquait sérieusement d'entretien. La déchiqueteuse était bloquée. Une lettre était coincée dans la déchiqueteuse. Je devais trouver un moyen de remettre la déchiqueteuse en marche. C'était un scooter de livreur de pizza. De l'huile avait coulé du scooter sur le sol. Je frottais l'extrémité du coton-tige dans la tache d'huile. J'avais graissé les engrenages. Il était temps de découvrir ce que la lettre contenait. Modifier l'emplacement des morceaux, interagissez avec l'un d'entre eux pour le saisir. Vous pouvez ensuite le déplacer, faites glisser le morceau vers son nouvel emplacement et interagissez. Ok. Mesures de sécurité. Merci pour votre lettre.
prochaine exposition, on verra sécurité. Nous sommes bien amical, bien amical, bien amical, bien amical. Voilà, nous sommes ravis de. Donc Henri Dubois, ok. Merci pour votre lettre. Merci pour votre lettre. Daté du 30, voilà. Prochaine exposition. Non. Non plus. Voilà, 30 mars. Plus éloigné. De pouvoir vous représenter. Hop. Lézard bleu. Bah ouais, hein. Quelques minutes. Sécurité. C'était une lettre d'Henri confirmant voilà. Que la société Vera Sécurité était engagée pour l'exposition. Elle me révélait aussi le nom du patron de Vera Sécurité, un certain Medovski. À première vue, c'était une lettre ordinaire. Mais pourquoi Henri remerciait-il Medovski pour sa générosité? Et pourquoi était-il ravi de le représenter? Medovski était peut-être le propriétaire que nous cherchions. Ça ne collait pas. Mon instinct me disait qu'il y avait Henri sous roche. J'avais empoché la lettre et le trombone. Imagine que les experts font ça en vrai. Eh ouais. Est-ce qu'on peut...
peux faire un truc avec le trombone là. Le trombone était pas yeah. Travail. Il y avait bien quelque chose là-dedans. Bah oui, j'avais vu le truc briller. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Je te tiens. Je n'en croyais pas. Un gun. C'était une arme. Et probablement celle qui avait tué Henri. Wow. Ah ah! Mais voyez-vous ça? L'Américain, Monsieur Stobart. Vous allez regretter le jour où vous avez croisé mon chemin. Vous êtes pris dans ma nasse, comme un hareng sort. Inspecteur, j'enquête sur le vol du tableau. Non, monsieur. Vous entrez par effraction dans un magasin innocent. J'ai trouvé l'arme du crime. Trouvé? Non. Caché? Oui. Mou, arrêtez cet homme et emmenez-le au poste. Je vais vous claquer la caboche jusqu'à ce que la vérité vous sorte par les pores, monsieur Stobart. Ouais, c'est ça, il dépasse à l'aise. À l'aise, Blaise, c'est George. Appartement de Nico. Rome. J'aurais aimé avoir de meilleures photos du tueur. Grave. Et maintenant, décroche-moi une interview du propriétaire du tableau et tu auras la une manche. Je suis déjà sur le coup. Tiens-moi au courant. Préviens-moi avant d'écrire quoi que ce soit, d'accord? Bien sûr. Je dois te laisser, j'ai de la visite. Un arrangeur. Monsieur? Vous êtes bien Nicole Collard? Oui, je peux vous aider? Je dois m'asseoir. Je vous en prie, entrez. Voulez-vous un verre de vin? Volontiers. Cet escalier est un vrai cauchemar. Ça va mieux. Alors, monsieur, que puis-je faire pour vous? Je m'appelle Thiago Marquez. J'ai vu votre article sur le vol du tableau. J'ai trouvé votre adresse. Je suis venu tout de suite. Il fallait que je vous voie. Et pour quelle raison? Le tableau volé, la malédiction, il m'appartient. Ronnie voulait une interview du propriétaire du tableau. Et il était là, devant moi. Ou plutôt, j'avais devant moi quelqu'un qui prétendait l'être. Ainsi, le tableau volé serait à vous? Dites-moi plus. La malédiction appartenait à ma famille en Catalogne, dans les années 30, avant la guerre civile. Mais que faisait-il ici, à Paris? Les fascistes l'ont emporté en 1938. Ils ont tué mon père, mais j'ai réussi à m'enfuir. Depuis ce jour, je suis à la recherche du tableau. Vous devez m'aider à le retrouver. Parlez-moi un peu de vous. Je suis Thiago Marquez, le propriétaire légitime de la malédiction. Que pourrais-je vous dire de plus? Vous avez fait tout ce chemin depuis la Catalogne? Non. Je vis en France depuis la guerre, dans le sud-ouest. Et maintenant, je veux récupérer mon tableau. Vous avez perdu toute votre famille pendant la guerre civile? Mais mon père n'a pas eu. Cette chance. Oh, je suis désolée. J'aurais voulu rester et me battre pour la liberté, mais je n'étais qu'un enfant. Ok, mon fils. Ok, fils. Donc, bon Bloodborne à toi. Je viendrai après le live, là, dans un petit quart d'heure, là. Je viendrai en chat vocal avec toi, si t'es dispo. Et voilà, quoi. Donc, bon Bloodborne, et puis... À tout allure. Vous
vous avez toute mon attention, mais pour pouvoir vous aider, il faudrait que j'en sache un peu plus. J'ai quelque chose. Voici une vieille photo de ma famille et moi. Vous voyez ce tableau, au-dessus de la cheminée? Oui, c'est la malédictio. La photo permettait bien d'associer le vieil homme au tableau. Mais non, t'oublie pas. Mais non, t'inquiète. T'inquiète, mon ami, t'inquiète. C'est bien vous qui avez pris les photos du vol du tableau, n'est-ce pas? Oui, en effet. Il faut que je les voie. Pourquoi? Je vous en prie, je dois les voir. Très bien, les voilà. Je n'ai pas retenu celle-là. George est au milieu, comme toujours. Pero, qui est ce George? C'est un ami. Il a assuré le tableau. Alors, il doit connaître le menteur qui prétend en être propriétaire. Je ne crois pas, non. Il me l'aurait dit. C'est ma meilleure photo. Ils l'ont utilisée pour mon article. Oui, c'est comme ça que j'ai reconnu la malédiction. Mon tableau. Il ressemble effectivement à celui de votre photo. J'étais si près du but, mais il a encore disparu. Cette photo n'est pas terrible. Elle est parfaite. Parfaite? On voit enfin la malédiction dans toute sa splendeur. Les lignes, les couleurs, les détails. Je ne l'avais pas vue depuis si longtemps. Alors, gardez-la. Elle n'est pas très exploitable. Vraiment? Merci, mademoiselle. Et voici le voleur qui s'enfuit avec le tableau. Quel est ce tatouage sous le bras? On dirait une tête de mort. Les chasseurs de têtes. Vous le retrouverez. Et vous trouverez mon tableau. Je peux essayer, monsieur. Faites-le, mademoiselle. Il le faut. L'histoire de Marquès était intéressante, mais je devais d'abord m'assurer qu'elle était vraie. Je me demandais si la galerie tenait un registre des propriétaires. Je ne lui faisais pas entièrement confiance, mais c'était ma seule piste, et je ne voulais pas la perdre. Où logez-vous? Comment? Nulle part? Ici, peut-être? Je ne voulais pas qu'il reste chez moi. Il y avait une autre solution. Mon voisin est absent pendant quelques jours. Vous pourriez habiter chez lui? Oui, ce serait bien. Merci. Parfait. Allons-y. Adam m'avait dit qu'il laisserait le double de sa clé sous le paillasson. Mon voisin m'avait laissé une clé sous le paillasson. Ce qui me rappelait que je n'avais pas arrosé ces plantes depuis des semaines. La clé n'était pas là. La fissure était large, mais pas assez pour y passer mes doigts. J'avais pu récupérer la clé grâce au chewing-gum. La porte était fermée, mais j'avais oublié de trouver la clé. Ça ira très bien. Ravi que ça vous convienne. Maintenant, je dois sortir. Ronnie avait promis de me donner la une si je décrochais une interview du propriétaire du tableau. Et voilà qu'un vieil espagnol cinglé prétendait justement l'être. Je devais découvrir qui avait mis le tableau en vente. J'en apprendrai peut-être plus à la galerie. Len était assis à la terrasse du café. Il avait l'air hébété.
Bonjour, Monsieur Lane. Oh, la délicieuse Nicole Collard, notre folle lignée. Que puis-je faire pour vous? J'espérais vous trouver ici. Je suis toujours disponible pour une femme aussi charmante. La mort d'Henri. Oh, ce doit être très dur pour vous. Oui, il va beaucoup me manquer. Nous avions une relation très spéciale. Cette perte est douloureuse à supporter, malgré ma grande force intérieure. Que savez-vous sur le propriétaire de la malédiction? C'était les affaires d'Henri. Il avait déniché le tableau et s'était arrangé avec son propriétaire. Quelqu'un d'autre pourrait-il en savoir plus sur le propriétaire? Oh, c'est peu probable. Il était particulièrement discret à ce sujet. Mais il avait toujours un manifeste pour chaque exposition. J'écris un complément d'enquête sur le vol du tableau. Ah, vous avez donc besoin d'un témoin, d'une autorité? On peut dire ça. La police a fini dans la galerie. Nous pourrions discuter dans le bureau. C'est beaucoup plus confortable. Plus intime. Je pourrais peut-être même dénicher une bonne bouteille de champagne. Plus tard, peut-être. J'ai des choses à faire avant. La prochaine fois, j'espère. Vous avez parlé d'un ami. Yo, mon poteau. Il faudrait commencer par le bureau. Comment tu vas? Henri rangeait presque tous ses papiers. À propos de la galerie... Bien sûr, ma chère. Nous pouvons y aller tout de suite, si vous voulez. Vieux pervers. Non, pour l'instant, j'ai pas envie d'y aller. Je dois y réfléchir. Merci, Monsieur Lane. Toujours à votre service. Bah ça va, écoute. Hein. Fait mal au dos, mais ça va, ça va. Bon. Un vitrail complexe. De quoi faire craquer les touristes. Ah, la carte des chuches. Je n'avais jamais vu une carte des boissons aussi rikiki. Ouais, grave. Lui, il veut pécho les meufs, lui. Bonjour. Ah, c'est vous, madame. Il n'y a pas de café. J'en ai eu marre. J'ai du soda, de la bière ou du champagne. Non, merci. Non, moi, je serais pas pervers avec Nico. Vous l'avez exercé. Bonjour, monsieur Lane. Allez, on va aller... Tiens, vous revoyez. T'as les cervicales en vrac? Ouais. Putain, c'est pas cool, ça. Ça, c'est pas le top. Bah allez, on va à la galerie, mec. À propos de la galerie... Bien sûr, ma chère. Nous pouvons y aller. Ouais, allez, on y va. Si vous voulez. C'est allez, super. On y va. Nous pourrions discuter du malheur qui m'accable. Non, mais ta coupe de champagne. Une conversation intime avec Lane était la dernière chose que j'aurais voulu. Mais c'était mon meilleur espoir de jeter un coup d'œil au bureau. Moi, c'est avec George. Bah, il est blond, hein. Je préfère les blondes personnellement. Mais bon, j'aime pas les hommes. Au pire, j'y claque le buste sur la gueule. Après vous, ma chère. Punaise, pervers sexuel. Ça sent le coup monté, ça sent le viol. Le bureau était plein d'un bric-à-brac insensé. J'allais avoir du mal à trouver ce que je cherchais. Quand Lane s'était assis, quelque chose avait émergé sous un coussin. On aurait dit un dossier. J'ignorais ce que c'était, mais la police ne l'avait pas vu. Je devais mettre la main dessus. On doit mettre la main sur le dossier. Venez me rejoindre sur le canapé. Je suis tout à vous. Vous serez gentil avec moi, hein? Oh, non, mais franchement. Vous n'êtes jamais gentil, Monsieur Lane. Oh. Vous pouvez m'appeler Hector. Ok. La pendule n'avait rien de particulier. C'était l'affiche d'un festival de musique à Stockholm. Les homards velus étaient en tête d'affiche.
Bah là, il y a le modèle de combi. J'avais toujours rêvé d'avoir un combi Volkswagen. Ouais, c'est ici que je me suis trompé de moi, ouais. C'est ça. Je me suis planté de moi ici, exactement. Mais bon. Pas trop. Dans l'inventaire, j'ai quoi? Un téléphone et du narguilé. C'était un narguilé décoratif. Ah, un bric-à-brac. Rien dans le bric-à-brac d'Henri ne ressemblait de près ou de loin à un manifeste. La guitare. Cette guitare devait appartenir à Henri. C'était sûrement pour la frime. C'était pour la frime. Henri avait encadré des fleurs séchées. Il avait vraiment mauvais goût. Appuie sur la chèvre sur l'étagère. Quelle chèvre? Ah là. Installez-vous confortablement, ma chère. Ouais. Mais je peux rien faire. Je peux rien faire avec la maudite chèvre, là. J'ai appuyé dessus. Ouais, ok. Bon. Éteille-bout. Les bouteilles étaient vides. Je ne pouvais pas fouiller le bureau tant que l'aine. Ah, je sais pas. Peut-être. J'ai désactivé les notifs des trophées pour pas que ça s'affiche sur... Pour pas que ça s'affiche pendant le stream, que ça fasse un écran flou. Donc je verrai ça... Bah quand... Comment ? Quand je quitterai le live et puis... Len n'avait pas remarqué le dossier. Avec une telle couche de graisse, pas étonnant. Le seul moyen de mettre la main dessus, c'était de détourner son attention. Ok. On va détourner son attention. Un coup de bouteille dans la gueule, il y a moyen de l'assommer ou pas? Il y a un trophée pour la chèvre. Ouais, ok. Bah, je l'ai peut-être débloqué là. Alors. Bon, on va parler Klein. Oh, appelez-moi Hector, voyons. Mais grave que ça sent le viol. Grave. Vous ne savez vraiment pas qui appartient le tableau d'Anne Serp? Désolé, ma chère. Mais non. Je vois qu'Henri avait une statue de lui. Oui, il avait de grandes aspirations. Mais très mauvais goût. Très mauvais goût. En tout cas, il va me manquer. Je le considérais comme un membre de ma famille. Que va devenir la galerie sans lui? C'est la veuve d'Henri qui en décidera, la pauvre. Elle trouvera peut-être la force de bien vouloir me garder. Oh, je n'en doute pas. Que pouvez-vous me dire à propos du tableau? C'est un vrai bonheur d'être tombé dessus. Un véritable chef-d'œuvre méconnu. Il faut admettre que c'est une toile étonnante. Que savez-vous sur sa signification religieuse? Elle est empreinte d'un profond symbolisme religieux. C'est évident. L'élément principal doit en être le panthéon des saints. Ah oui, eh oui, il monte les boobs. Je vais peut-être me joindre à vous pour cette coupe de champagne. Mais je vous en prie. Ah, le champagne. Un bienfait de la nature en ces temps de malheur. Ouais, c'est de la merde. Pas renverser Len prenait beaucoup de place sur le canapé. Len prend beaucoup de place sur le canapé. À notre nouvelle amitié. À l'amour. Oh merde!
sur le zboob. C'est glacé. Psst. Oh, quelle idiote. Je suis désolée. Je suis désolée. Il va falloir que ça sèche. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Allez, prends le dossier, meuf. Le dossier contenait la liste des tableaux de l'exposition. La malédiction devait y figurer. Gagné. Avec le nom de son propriétaire, Monsieur Medowski. Apparemment, la police n'avait pas trouvé ce dossier. Je l'avais reposé. J'avais ce qu'il me fallait pour mon article. Merci pour tout, Monsieur Len, mais je crois que mon rédacteur en chef m'appelle. Chérie, ne partez pas déjà. Ce n'est qu'un peu de champagne renversé. Et voilà. Et j'ai trouvé le propriétaire présumé de la malédiction, un certain Medowski. On dirait un nom russe, tu ne trouves pas ? Medowski. C'est qui ? Un nouveau venu chez les oligarques. Il a débarqué récemment à Londres de sa Russie natale avec de l'ambition et une réputation bien sanglante. C'est une histoire qui le dépasse, Nicole. Je vais mettre un journaliste criminel plus expérimenté sur l'affaire. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Du calme, Rony. C'est mon article. Laisse-moi faire. On en reparlera en déjeunant demain. D'accord. Mais ne fais rien de plus en attendant. On se voit demain. Ok. Rony ne me faisait pas confiance, mais je n'allais pas le laisser mettre quelqu'un d'autre sur le coup. Il allait falloir agir vite. Entrez. Salut, Georges. Je suis ravie de te voir. J'espère que tu ne m'en veux pas de passer comme ça. Non, pas du tout. Alors, comment ça avance ? Plutôt bien. J'ai trouvé l'arme qui a servi pour le vol du tableau. Tu m'impressionnes. Ah oui ? Naveh n'était pas impressionné, lui. Il m'a accusé de l'avoir caché là et d'être impliqué dans la mort d'Henri. Ensuite, il m'a enfermé dans une cellule. Mais ça ne collait pas, bien sûr. Alors il a dû me libérer ce matin. Mais il est persuadé que j'y suis dans le coup. Et au moindre faux pas, il m'épinglera. La bonne nouvelle, c'est que j'ai une histoire pour toi. Après... Annette, la responsable de Vera Sécurité, a menti à propos du patron de la société. En reconstituant la lettre déchiquetée, j'ai trouvé un nom. Medowski. Medowski ? C'est le type qui se prétend propriétaire de la malédiction. Quoi ? Le tableau est à lui ? Et Vera Security aussi ? C'est lui qui doit être derrière toute cette arnaque. Ça me paraît clair. Il faut que nous en soyons sûrs. Mais qu'est-ce que... Le tyran de Comas. C'est ouf, hein. Je ne peux pas dormir dans ce lit. Il est trop mou. Georges, je te présente le seigneur Marquez. Enchanté. Alors, c'est vous, Georges. Le seigneur Marquez loge dans l'appartement en face du mien. Apparemment, ce serait lui le vrai propriétaire de la malédiction. Quoi ? Je croyais que le tableau appartenait à Medowski. Le seigneur Marquez prétend qu'il a été volé à sa famille pendant la guerre civile espagnole. Vraiment ? Est-ce qu'il y a des preuves ? Seigneur Marquez, pouvez-vous lui montrer la photo ? Donc après je vais discuter un peu avec vous sur le chat en live en partie. Le temps que je mette ma vidéo sur le YouTube et tout, puis bah après cet après-midi je vais justement avec mon poteau Cédric ici présent là, on va aller à Saint-Quentin, je vais aller voir pour un jeu et puis faut que j'aille à jouer club pour les achats de Noël. C'est la malédiction qui est accrochée au mur. Il appartenait à ma famille, alors il m'appartient. Qui est-ce ? Mon père. Le jour avant qu'ils soient assassinés, quand ils sont venus en 1938, j'ai pu m'enfuir avec ma mère.
Mais mon père n'a pas eu cette chance. Comment peut-on prouver qu'il s'agit bien de vous quand vous étiez enfant? Les dates doivent correspondre, George. Qui est-ce? Ma mère. C'était une femme bien, une sainte. Si le tableau a bien été volé dans les années 30, alors ce Medovski n'en est pas le propriétaire légal. Mais comment est-ce que je peux être sûr qu'il s'agit bien de vous sur cette photo? Je peux vous le prouver. Regardez mon père sur la photo. Vous voyez son médaillon? Il me l'a donné, juste avant de mourir. Ce médaillon se transmet dans ma famille depuis des générations. C'est bien le même médaillon. Un serpent qui se mord la queue. On retrouve le même symbole dans le tableau. On l'appelle l'Ouroboros. Le quoi? L'Ouroboros. C'est le symbole de mon peuple, de ma famille, de ma foi. Les Gnostiques. Mon père était un leader chez les Gnostiques. Pour eux, la malédiction est un tableau sacré. C'est pour ça qu'on retrouve à chaque fois l'Ouroboros. J'ai rencontré un prêtre qui m'a expliqué que ce tableau était l'œuvre du malin, qu'il était diabolique. Ah, je ne suis pas surpris. Il ne faut pas croire tout ce que vous dit l'Église. Quoi que vous en pensiez, ce tableau est à moi. Si Marquès était le véritable propriétaire de la malédiction, Medovski n'avait aucun droit sur lui. Si le tableau vous a... appartient. Comment Medovski a-t-il fait pour se l'approprier? Les fascistes nous l'ont volé. Il s'est retrouvé à Madrid, puis à Berlin, et après la guerre, à Moscou. Ensuite, nous avons perdu sa trace. Jusqu'à aujourd'hui. Il faut que nous parlions à ce Medovski. Mais comment le trouver? Seigneur Marquès? Si, George? Ainsi, la malédiction appartenait à votre famille? Autrefois, oui. Je ne pensais pas revoir le tableau un jour. Ça a dû être un grand moment pour vous de revoir ce tableau. C'est un miracle. Ah, mais nous aussi, on a un temps de merde, hein, mon ami, hein. Mon Jeff. Vous parliez des gnostiques. Que pouvez-vous me dire à leur sujet? C'est sans importance. Une secte religieuse, rien de plus. Les membres de ma famille étaient gnostiques. C'était de braves gens pacifiques. J'ai trouvé la preuve qu'Henri connaissait la société de sécurité véreuse. Ça ne m'étonne pas. Je pense que toute cette histoire était un coup monté. J'ai trouvé cette note de Vera Sécurité pour l'installation du système de sécurité de la galerie. Ils n'ont pas suivi mes recommandations. Et mon tableau a été volé. Que pensez-vous de ceci? Je ne m'en servirai pas pour nettoyer mes chaussures, Seigneur. Je ne m'en servirai pas pour nettoyer mes chaussures. Pour être franc, moi non plus. Vous voulez que je vous prête mon coupe-ongle? Je préfère me les ronger, monsieur. Oh, le vieux dégueulasse. Vous voulez un cookie, Seigneur Marquès? Un cookie? Non, il était dans votre poche et il tombe en miettes. Je suppose que vous n'avez pas besoin d'une allumette. Qu'est-ce que j'en ferai? Seigneur Marquès, je vous présente Marcel. C'est un cafard dans une boîte. C'est mon nouvel animal de compagnie. Je commence à m'attacher à lui. J'ai trouvé ce trombone. Il doit bien servir à quelque chose. Probablement à maintenir des feuilles de papier ensemble. Dis, Nico. Oui, Georges. Que savons-nous sur ce Medovski? Ronnie m'a dit qu'il était dangereux et très riche. Il prétend être le propriétaire de la malédiction. Et c'est apparemment le patron de Vera Sécurité, la société qui était censée protéger le tableau contre le vol. C'est assez logique. Le meilleur moyen de voler un objet, c'est de se faire embaucher pour le protéger. Mais pourquoi voler un tableau qu'on possède déjà? Il faut qu'on parle à ce type. Encore faudrait-il le trouver? Bon, récapitulons ce que nous savons sur le voleur. D'accord. Il a un tatouage reconnaissable sur le bras.
et son casque portait une inscription Waterloo Motors. C'est plutôt mince tout ça. J'ai mon poteau qui est là, qui lui il l'a fini. Il l'a fini et apparemment il est long sans être long quoi. Apparemment il est pas si long que ça. Pourquoi quelqu'un volerait son propre tableau? Une arnaque à l'assurance? Mais alors, pourquoi tuer Henri? J'ai l'impression qu'Henri était impliqué dans cette affaire. J'ai trouvé l'arme qui a tué Henri chez Vera Sécurité. Si Medowski est le patron de Vera Sécurité, il doit connaître le meurtrier. Ça ne peut pas être Annette, mais elle doit être impliquée d'une manière ou d'une autre. Tu disais que le voleur porte un tatouage? Oui, sur le bras. Une tête de mort avec l'inscription « Chasseur de tête ». Il faut qu'on trouve Waterloo Motors. Tu as essayé sur Internet? J'ai eu beaucoup de choses à faire. Bon, voyons ça. Gare de Waterloo, bataille de Waterloo... Ah, voilà. Ouais, tu passes plus de temps à réfléchir. C'est un garage. Bah, tu sais, tu remets après, je vais couper, Jeff. Je vais pas tarder à arrêter là. Voilà. Là, je vais faire une save et on reprend tout à l'heure. On reprendra ce soir. Hop, écraser la partie. Voilà, voilà, voilà. Il a une bonne durée de vie. Ok, ok. Bon, bah voilà. Donc, on va s'arrêter là. Hein. On reprendra ce soir. Dans les alentours de 20h. Hein. Bonne journée à toi, Jeff. Et passe ce soir. Hein. À ce soir. De toute façon, là, je vais me mettre en partie avec vous, avec toi et Shinzo. Le temps que je mette la vidéo sur le YouTube. Donc, voilà. Donc, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Hein. Merci à tous. N'hésitez pas, je suis partout, hein. Vous pouvez me suivre partout, hein. Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, vous avez tous les liens nécessaires dans la catégorie info de la chaîne, allez y jeter un œil, et voilà, donc rendez-vous tout à l'heure pour la suite des aventures de George Sobart, allez, ciao.